doigt parce qu'il le voit. Consommer de l'alcool, de faire des choses trop folles. Il a 20 ans, il ne va plus à l'école. Il veut plus de colle et tout le monde souhaite qu'il ait un jour en tol. Il est l'enfant qui marche tout seul dans la rue. Elle est venec. Il a l'enfant qui marche tout seul dans la rue. Mais venez. On dit que la pauvreté n'est pas son vice, mais l'homme a honte, il glisse. Chaque jour que la nature fait, il était, un enfant malheureux. Mais il avait des rêves et des vœux et des vœux. Mais dans cette putain de vie, on oublie toute ambition. On va t'y mettre, voilà la seule question qui revient et qui frappe dans sa tête. Stop, et qui frappe. Oh, putain, les gars, putain, vous cassez le tempo. Un peu plus d'agressivité. Oh. Bébili, c'est toi qui n'assures pas. C'est vrai, on est bon, nous. Ouais. Au fait, les gars, le truc, c'est un ghetto blaster. Un ghetto blaster. Bonne idée. Tu es un génie, man. Ouais, ça c'est vrai. Ça ferait vraiment du bien pour le groupe. Hé, hey, derrière. Il m'a parlé de porc épic. Bézingo. T'es un costard. Ouais. Trop classe, même quoi. Non. Vous savez, j'ai changé la série des maris cocus. Il m'a payé avec son costume de mariage. L'éternel est son sang. Non. Pas masculine. Oh non. Demain, les gars, on se fait un contrôle technique. On l'appellera Opération Berlin. C'est bon. Attends ton moubleur. Tu as 45 secondes pour avoir ce que j'ai sur le dos. À poil, man. Hé, Gaïa, 5 secondes de retard. Et puis, Fujis. C'est deux pneus bonne année. Deux. Je te remets. On stoppe tout. Pas question, Gaillard. Tu me lâches tes freins. Il y a un grand qui s'amène. J'ai dit on stoppe tout. Voyons, carré ça. Merde. Beaucoup mieux que la première fois. Alors, docteur, c'est combien? Les roues en ce moment, ça se vend très mal. Donne 25 000. 10 000. 10 000 francs. Mais c'est le prix d'une seule roue sans la jante et la chambre arrière. Allons-y pour... 20 000. Pour rendre service. C'est que j'ai fait un mauvais business. Au fait, Bébili, en ce moment, il y a des promotions sur les bateaux. Eh,
Et le Billy, Billy. Oh non, non, non. Ça, c'est quoi? Oh, quatre mille soldats. Non, 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 je suis pas là. Je te taille toujours la plus grosse part. Toi, tu n'as rien à dire. À cause de toi, j'ai peur de ma montrer avec ça. T'as failli casser notre business. C'était mon idée. Ouais, c'était ton idée. Et nous avons tous bossé. Justement, pourquoi tu prends 5000 francs de plus? À travail égal, salaire égal. Arrête, Mugler. Apprends que le chef du village est un éléphant. Salut à vous. Balance-moi une boîte de cornet beef. Et un sachet de riz. Le kilo ou le demi-kilo? Le demi-kilo. Et ma monnaie. Regarde toi-même. Ta mère me doit beaucoup. C'est bon, garde-la. Il va joker. Ça ne presse pas les gars. Tu sais que oncle Charlie m'attend. Il a souvent des trucs à me faire faire. Et puis il y a aussi son matos à rendre. Donc, s'il te plaît. T'inquiète, ça va aller. Mais tout va bien. Tu sais, mon grand-père m'a dit qu'ici, il y avait de vieux bateaux avec des trésors fantastiques. On le trouvera et on le partagera ensemble. Oui, capitaine. J'adore le créateur du monde, le créateur des Christ venus pour les neuf résurrections. Je l'adore, le créateur des hommes. Le créateur de la vie éternelle, le créateur de la récréation. Miracle métempsychose de l'âme et Dieu. 1982. L'arme des os présidentielles est détruite après occultation. D'Allah d'en haut pour Allah d'en bas. Les créations des mythologies grecques ont été votées au Sénat depuis 1960. On y va, on y va, on y va. Qui veut jouer au prédicateur? Où tu étais depuis là? On a été bloqué au carrefour de la mosquée à cause de la prière du vendredi. Ouais! Les croyants étaient tous sur la chaussée, en train de se prosterner. Même notre taximan nous a abandonnés. Il est parti avec sa natte sous le bras. D'ailleurs, les autres taximans ont dû faire comme lui.
On a dû marcher. On a dû marcher. Ah, Mougla, arrêtez de me raconter des histoires. Tu sais, ce n'est pas en manquant l'école que tu pourras t'en sortir, hein. Bon, c'est pas tout. Moi, je vais au ponton. Salut. Alors, ça va, là? Ça va pas, patron. Je ne trouve plus les outils et la roue est crevée. Bon, ben... À pied. Oui, à pied. Petit tracteur avec celui-là. Bon, deux fois moins qu'avec le grand modèle. Pourquoi? C'est vrai que toi, Joker, tu préfères la grande mère. Ton Charlie, moi, je serai un grand capitaine. Je ferai le tour du monde de toute l'Afrique. Voilà, Dakar, Lagos, peut-être un Porto Novo. C'est très bien. Allez, ciao les petits. Tu vas, maman. Faut ton taxi. Comme ça, tu n'auras pas d'excuses. Bonjour, madame. Bonjour, Tom Marundou. Bonjour, les enfants. Ne rentre pas tard. Ça va, ça va. Vas-y, maintenant. Hey, Bézingo. Ah. Bonjour, mes femmes. Salut, villageois. Ça, mon vieux. La dignité te coûtera cher. D'abord, comment ça me donne la rage pour moi? Hey, Mouglou, on t'attend pas à nous. Allez-y, je vous rattrape. Tu vois, vraiment, tu es trop fort.
Maintenant, passez Mougler. La verve, c'est 8 000. Quoi? 8 000 francs? Oui, c'est ça les prix. C'est le même modèle? Le patron lui-même, il a dit que chaque couleur a son prix. Le patron, il est dur, hein? Vous avez combien? 12 000 francs. 12 000, c'est pas bon, il faut ajouter quelque chose. Mon frère, aide ta soeur. Si tu n'as pas d'argent, il ne faut pas compliquer. Tu prends les couleurs qui sont moins chères. Les couleurs, c'est très important. Bon, j'ajoute 3 000, c'est tout. Je donne une verte à 8 000 et deux moins chères, la jaune et la rouge. C'est combien? C'est 3 000 francs. Yo Pedro, viens surveiller ici. Oui patron, j'arrive. Dépêche-toi. Imbécile. Nader Mohamed. On n'a pas encore fini de régler nos affaires. Les gars, avec ce matos, on est au top. Abandonné par son père, trop délinquant pour sa mère. Il vit mal sa vie de galère dans cette misère où tous ses frères crèvent à cause de leurs rêves. Abandonné par son boss, il voulait bien être un boss. Il voulait montrer l'exemple avec un joint à la main, organisant des braquages pour fuir son destin. Il est l'enfant qui marche tout seul dans la rue et sans gagner sa vie en posant sur la grue. Il est aigri, ouais, ah, c'est un enfant impoli, on n'y peut rien. Oui, le système l'a façonné, on le déteste comme la peste par ses gestes. Montre qu'il est un être aigre, un maigre nègre. J'espère que le Libanais, c'est pas toi, Mougler. Le Libanais? C'est quoi cette histoire? On a braqué un magasin de Libanais. Et il m'a semblé reconnaître certaines personnes quand on me les a décrites. Comment peux-tu imaginer des choses pareilles? Moi, je suis resté à la maison avec ma vieille. Thank you.
maintenant, on atteint le sommet du Kilimandjaro avec un podium à trois. David Asagusa, 16. Bien. Cory Kumba, 16,50. Bien, très bien. Et notre indéracinable champion, Edouard Minduma, 18. Bravo. Alors, monsieur Mugler, tu es un drôle de coco. Silence, s'il vous plaît. Pendant 2 mois, tu as figuré sur la liste des champions. Et puis, plus rien. Ah, si. Si. Les étoiles de paresse. 1, 2, 3 étoiles de paresse. Tu es devenu le roi des fainéants. Qu'est-ce que c'est? Raptronic. Tout sur la rivalité entre Tupac et Notorious Big. Ça fait chaud. Au tableau, Mugler, 5 points de plus pour toi, la première bonne réponse. La salle de classe n'est pas un ring, mais puisque vous y tenez, j'ai trouvé quelque chose qui va vous réconcilier. Embrassez-vous devant votre public. C'est comme ça que font les champions après un combat, non? Alors j'attends. Casse-toi, connard! Quant à toi, Mugler, tu viendras me voir avec tes parents. Maintenant, nous allons nous intéresser à la parade amoureuse chez les oiseaux. Mugler, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas voté. Je suis une belle fille là, je te dis. Avec un fessier, pas possible. Elle a vraiment le corps d'une femme. Les fesses, les mollets, tout. Les cheveux qui tombent jusqu'aux pieds. Je pourrais te la présenter. Elle est vraiment bien bâtie. Oh, qu'est-ce qui se passe?
Non, que tu ne me suis pas là. Je suis tout tendu là. Au fait, tu es au courant du nouveau jeu là, Nolet? Il paraît que ça rapporte trop. Avec ce jeu, tu peux te faire 1 million. 1 million? Oui. Pour combien de chances? 3 chances. Attendez là, j'ai bien entendu. 1 million? On peut se faire ça comment? Il suffit de gratter. D'avoir 3 perroquets. C'est tout 3 perroquets? Oui. T'imagines un peu le matos que j'aurais. Peut-être que moi, je peux organiser de grands tournois de boxe. Et moi, tu pourras acheter un remorqueur? C'est combien le ticket? 250. 250 pour 1 million. Les gars, on passe à la banque. Mais je pense que c'est largement suffisant. Hein? Lève l'angle. Allez, gâtez ailleurs, pardon, vous mangez mon air. Allez, 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 allez. C'est comment? Pardon, allez gâter plus loin. Allez, 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 poussez-vous. Reculez. Alors, reculez. On a quand même payé, on doit gratter. Oui, oui, allez, gâtez plus loin, reculez, allez. Oui, allez, gâtez plus loin. Oh, c'était mon dernier dolé. Ça y est, j'ai les 3 perroquets! Il a gagné! Ah, félicitations! Vous êtes le premier gagnant du gros lot du Dolé! Le genre de truc qui ne nous arrive pas à nous. Avant d'être riche, il faut être pauvre. Ça se maintient. Alors, Mangana, c'est play là. La coupe 6. Baké Kolo. C'est trop les mêmes. Tu joues Mangana, c'est mon tour. Vous avez de beaux cheveux, patron. Coiffeur, tais-toi. Et coiffe, vite, vite. J'ai un rendez-vous très important. C'est bon.
Maman Bédoum, on veut des gâteaux là. Okay. Voilà. Maman, elle donne 100 francs. Faites-moi connaître là. La vie est 100 francs. La tenue dans les mapales, ça c'est fort. C'est même trop balèze. Mais qu'est-ce qu'on fout là, nous, merde? Vous voulez être millionnaire? Vous voulez être millionnaire? Vous voulez être millionnaire? Bonjour, en direct de Petit Paris, Massango, l'événement le plus important depuis les indépendances de Digol. Dolé, le jeu qui rend millionnaire tout le peuple, tout le temps, va couronner son premier millionnaire. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, notre héros du jour, heureux de toujours, Coupangoy Jean Renner. Merci. Ça fait de l'effet d'être millionnaire. Un grand effet. Vraiment de l'effet. Moi également, ça me fait de l'effet d'être parmi vous. Mesdames et messieurs, on applaudit pour Jean Renner Coupangoy. Merci. Jean Robert, je peux vous appeler Jean Robert, n'est-ce pas? Comme vous voulez. Dites-moi, vous êtes content? Très content. Oh là là! Ça fait de l'effet d'être content. Maintenant, nous allons procéder à la remise des récompenses à notre Dolé millionnaire Coupangoy Jean Renner. Je t'ai fait un peu les tisanes chaudes. Comment tu as passé ta journée? Je suis allée à la plage avec mes amis. Les amis, c'est-à-dire avec Cory? Oui. Tu t'entends bien avec cette fille? Oui. Tu sais, mon clé,
tu deviens un grand garçon. Il faut que tu te prennes au sérieux. Ton père nous a abandonnés. Arrête. Je ne suis pas son fils. Écoute, Policarpe, ton fils m'inquiète. Je suis son père, c'est vrai. Mais que veux-tu que je fasse? Je compte sur toi, Charlie. Mais je fais ce que je peux. Continue à faire ce que tu peux. Mais moi... Avec une mère malade, un père qui a les problèmes que tu sais. Tu t'amuses à risquer ton avenir en faisant l'intéressant en classe. Mais c'est lui qui m'a provoqué. Écoute, mon gars. Dans la vie, il y a deux camps. Celui de ceux qui subissent et celui de ceux qui décident. Choisis le bon. Amuse-toi quand même. Tu fais quoi avec ces rigolos? Arrête! Il a juste voulu m'accompagner, c'est tout. Ça ne me plaît pas du tout de te voir avec le foulard blanc. S'il te plaît, Moudleur. Édouard, c'est juste un ami, rien de plus. Amuse-toi bien. Tu sais, Madame La Chance, je t'ai amené un beau petit cadeau ce matin. Ah ouais? Voilà. Un cadeau pour moi? Comme c'est gentil. Elles m'ont coûté très cher. Ah ouais?
Elles ne te plaisent pas? C'est pas mon style. Ta gauche aussi rapide que ta droite. Ouais. Vas-y. Ta gauche aussi rapide que ta droite, c'est le secret des champions. Vas-y, vas-y, Arson. Vas-y, vas-y, vas-y. Frappe, frappe, ne t'arrête pas. Hop. Tu vas être champion, n'est-ce pas? C'est bon, c'est bon. Allez, maintenant, tu mets le paquet, ok? Est-ce que tu vas être champion? Tu vas être champion? K.O., le K.O., hein? Tu veux le K.O., vas-y, tu tapes. Ouais, c'est bon. Je bloque ta gauche. Ouais. Tu danses, uppercut. Et doucement là, c'est pas moi ton adversaire. Elles sont presque neuves. C'est un cheval de Bézingo. Il est trop cher. Oui. C'est un cheval à bâbord et à tribord. Laisse-moi deviner pour les jumelles. C'est le trophée de guerre de la Boivoisse qui a cassé son sommier avec un militaire. C'est ça même. Tu es concentré. Mugler, soyons réalistes. Moi, je pense qu'avec un million, je pourrais m'acheter beaucoup de choses. Comme par exemple un remorqueur comme celui-ci. Avec ici un moteur de 100 chevaux turbo. Sur cette banquette, je mettrai plein de tabourets pour que beaucoup de filles puissent s'asseoir là. Là, je mettrai une peinture verte et blanche. Et devant, là, je mettrai un grand joker. Derrière, à côté du moteur, je mettrai mon nom et puis un grand caractère. Et je mettrai sous ce bateau, sous ce remorqueur aussi, qu'est-ce que je pourrais mettre là? Un radar sous-marin pour qu'aucun requin ne pourra venir, pour qu'aucun requin ne puisse venir rôder autour de mon bateau. Mais toi, qu'est-ce que tu feras avec tes millions? Ces millions-là, il me le faut. Tu as raison, hein? Mais il nous le faut tous. Pose ça. Oh,
échappé belle. C'est bon, les gars. On rechargera les batteries plus tard, mais alors cassons-nous. Tonton Charlie, tu es là? Tu vois bien que je suis là. Mais toi, par contre, ta mère est malade. Et tu l'abandonnes. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que quoi? Allez, va vite me chercher Ada au lieu de me raconter des histoires. Dépêche-toi. Où vas-tu à cette heure-ci? On dit que ta mère est malade. Et toi-même, si tu connais son mari, va le chercher. Viens ici, petit salaud. Tiens, c'est votre fils? Oh, reviens les bagnards. Où attends Tada? Maman! C'est comment? Ça ne va pas pour maman. Je suis allée taper. Attends-moi, je vais me changer. Lâche-moi, je ne suis pas le foulard blanc. Mais qu'est-ce qui te prend, Mugler? Qu'est-ce que tu veux? Comment ça, qu'est-ce que je veux? C'est toi qui m'as plaqué? T'inquiète pas pour Marundu, ça ira. C'est pas le moment. Aide-moi à me redresser. Je suis contente de te voir. Comment ça se passe avec Tantada? Tu ne fais pas de bêtises. Non, je suis sage. Je voudrais seulement que tu guérisses vite. Pour qu'on soit ensemble à la maison. Moi aussi. Qui sait? Mugler, tu pourras passer me voir tout à l'heure, s'il te plaît?
ça va aller, maman. Je m'occupe de toi. Tu sais, maman, il y a une chose que j'aimerais te dire. J'aime bien mon nom. Je suis sûre qu'avec un nom pareil, il ne t'arriverait jamais rien de mal. On trouvait que ça faisait vedette de cinéma, que ça faisait bien. Pour faire le bon ou le méchant? Tu diras à ta tante Ada qu'il y a toute la liste des médicaments qu'il te faut te procurer. Si on les a, ça suffira pour la soigner. Il les faut tous. C'est vital. Moi, j'ai une histoire. Vas-y, ton histoire de Serge, mais c'est pas assez. J'espère que ça suffira. Adam? Madame? Attends, on fait des soins à ta mère. Mais j'ai ces médicaments. Tu n'as pas tout pris. Ça ira. Bienvenue pour ce grand meeting de boxe pour débuter
un match de qualité, je vais vous présenter le champion Joe Miko. Action à ma droite. Salut. Ok. Doucement. La boxe, ce n'est pas la guerre. Hein? On cherche le champion, mais on ne fait pas la guerre. Pas de coup de tête, pas de coup de coude, n'importe quoi. Présenter la bonne boxe au public, ok? Charlie! Moi, je veux. Alors, madame la chance, tu vends toujours des tickets gagnants? Tu sais, je dois t'avouer un truc. T'es la diague la plus sucrée, sale de toute la zone. T'es vraiment une tchatcheur, toi, hein? Tiens, voilà Rambo. Tu es fou ou quoi? J'apprécie le service à domicile, mais ton costard est nul. Mon costard? Qu'est-ce qu'il y a dans mon costard? Je tente ma chance. Ah ouais? Bon, j'ai choisi... là. Raté. Encore des singes, mon cœur. Ça ne pouvait arriver qu'à moi. Pour les frites. Quoi? C'est celui qui a les dents qui le mange. La cabine du Dolé. Ce serait bien de se faire la cabine du Dolé. Mais Vivi, il y a un vigile.
Et les balles ne sont jamais perdues. Écoutez, le gars, c'est pas pareil. La fois dernière, ça a foiré, c'est parce qu'on n'avait rien préparé. Au fait, Mugler, et ta vieille? Elle est neuf. J'ai un business qui a foiré. Oh, c'est pas bien grave. Quoi? Mais j'ai besoin de balles en ce moment. Oh oh. Il y a de la Bastille dans l'air. L'homme intelligent garde sa rancune dans son cœur. Déconne pas, Mugler. Mais laisse pas, Mugler, t'es fou quoi? Hé, hey, laisse pas, Mugler. De toutes les façons, je suis le plus classe. Aujourd'hui. Quoi, Mugler? Je ne plaisante pas. Mais de quoi tu parles? De la cabine du Delay. S'il n'est pas là, le boss, c'est moi. Ça ne t'appartient pas. Et puis, j'ai besoin de cet argent. Mais tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Tu sais très bien que ce n'est pas pour moi. Pas pour cette fois. Mais le boss, c'est toujours moi. C'est toujours moi le boss. Bolo. Okongwaka. Duma la duma. Bam bam.
On t'écoute, Mugler. La boum, c'est la cabine du dolé. La bouteille, c'est Madame la Chance. Et la boîte de jus, c'est le vigile. Et les capsules bleues, c'est nous. Attends, qui fait quoi, quand et comment? Voilà comment nous allons procéder. Dépêchez-vous, moi je vais fermer. Hein? Attendez, madame. J'attends quoi? Et alors? Hé, hey, est-ce que tu as payé? Madame, sois patiente. Payez avant d'être servi, monsieur. Sois patiente, madame. Tu l'as payé tout à l'heure. Donnez-moi de l'argent, s'il vous plaît. Partez, tenez. D'accord. Et alors? Dépêchez-vous, hein? Moi je vais bientôt fermer. Vite! On le fait mano à mano. Marquez! Billy. Il est mort. Mais tu l'as tué. Ce n'est qu'un enfant. Mais c'était un voleur.
J'aime pas perdre. Yeah.